What's up tout le monde, c'est Christophe, je viens surtout pour les Breaking News à propos du jeu Flappy Bird en GTA 5 sur le jeu GTA 5 en ligne, et bien sûr que sur le mode en ligne. Alors en fait, grosso modo, parce que c'est vrai qu'on a pu voir, vous avez peut-être dû voir plein de vidéos du style, en fait, finalement, des sortes de des gros mythos, quoi, parce qu'en fait, vous voulez, ils mettent juste sur le téléphone tout ça, ils font croire que ils peuvent jouer à Flappy Bird, que c'est une sorte de nouvelle mise à jour, enfin un petit easter egg de Rockstar, mais en fait c'est pas du tout le cas. Si vous voulez, Flappy Bird en fait il est pas officiellement dans le jeu, c'est tout simplement que on peut le retrouver. Donc je vais vous montrer un petit gameplay que je vous ai enregistré. J'ai eu un peu de galère parce que il est préférable de le faire avec un pote à vous, puisque là je l'ai fait avec une personne inconnue et il voulait me tuer alors que moi je voulais jouer tout simplement au jeu Flappy Bird. Et oui, c'est très rageant, surtout quand le mec comprend pas quoi, que tu veux juste jouer et que le mec il veut te tuer quelque part. Enfin bref, alors comment j'ai pu accéder à tout ça? Il suffit tout simplement d'avoir un compte social club. Pourquoi? Parce qu'en fait vous allez télécharger le, enfin pas vraiment le télécharger, le mettre en favori, le jeu. Je vais vous mettre donc un lien dans la description. Alors ça peut paraître compliqué, mais c'est pas du tout compliqué. Si vous avez un social club, c'est super cool. Si vous en avez pas un, eh bien créez-vous un compte. En gros c'est lié avec Rockstar, et puis vous allez pouvoir accéder à des missions faites par d'autres personnes et qui sont plutôt cool. Et ici c'est une mission qui représente un peu le jeu Flappy Bird. Vous allez le voir sans doute sur l'écran, enfin je vais vous le montrer tout ça par gameplay avec des petites coupures, parce que j'ai joué avec, on peut le dire, avec un blaireau, et le mec voulait me tuer, et c'est vrai que ça m'a fait rager. Donc j'ai dû jouer au moins une demi-heure pour proposer un peu ces petites séquences. Donc préférable de jouer avec vos amis, comme ça vous serez un peu plus tranquille. Il suffit tout simplement de prendre le lien dans la description que je vais intituler voilà le lien donc du jeu Flappy Bird. Et bien vous le mettez dans, donc sur une page, tout ça, vous allez sur cette page là, et puis tout simplement si vous êtes connecté sur Social Club, et bien vous mettez en favori, donc il y a une petite icône pour cliquer sur le jeu Flappy Bird en gros, et puis vous cliquez dessus, et puis après je vais vous expliquer tout ça. Pour les gens qui n'ont pas Social Club, et bien il vous suffit de créer un compte, c'est super simple, super rapide, en 5 minutes vous avez votre compte, même 3 minutes si vous êtes rapide, et puis après donc vous faites la même chose, c'est à dire vous allez sur ce lien là et puis vous cliquez, de toute façon c'est super simple, vous verrez par vous même lorsque vous arrivez sur ce lien là, vous cliquez, vous add, en fait vous add le sort de petit jeu qui est présent et qui s'appelle un truc comme Flappy, un truc comme ça. Alors une fois que vous l'avez tout simplement mise en favori entre guillemets, tout simplement et bien vous déconnectez du jeu si vous êtes sur le jeu GTA 5, sinon vous allumez votre console tout ça, et puis vous allez sur le mode en ligne, et puis vous faites ce que je suis en train de faire en fait sur l'écran, enfin ce que j'ai dû faire en début de vidéo, qui est d'aller donc dans le mode, enfin dans le menu, excusez-moi, puis dans activité, héberger, puis favori, pour accéder, donc je crois que c'est affrontement en fait, pour accéder à ce jeu Flappy Bird. Alors en gros qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des conteneurs qui sont ajoutés, à laquelle il y a des petits espaces, et à laquelle un peu le Flappy Bird, c'est-à-dire l'oiseau, le petit oiseau, est remplacé par un avion. Bien sûr on peut pas mettre un oiseau à la place, sinon rendez-vous compte un peu des graphismes, tout ça, au niveau du jeu, quelque chose d'un peu plus de réel, à laquelle on met juste tout simplement un petit avion plutôt pratique. Par contre attention au décollage, il est plutôt lent, c'est vraiment galère, surtout si vous n'êtes pas avec des potes, ils vont avoir largement le temps pour vous tuer. Je vous le dis parce que j'en ai l'expérience, j'ai bien joué dessus. Voilà, donc plutôt le mettre en privé, tout ça, et franchement c'est pas mal. Et d'ailleurs lorsque vous allez mourir, eh bien ça va rajouter un point à l'adversaire. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez faire un effet de, si vous voulez, une petite course en fait finalement. C'est un affrontement au niveau de course, un peu à la Flappy Bird quelque part. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Voilà, merci pour tous les gens. Juste avant, je tenais de vous dire, on m'a demandé de faire plus de vidéos sur le jeu GTA 5. C'est ce que je vais vous faire, avec des informations ainsi que des petites choses comme ça plutôt sympathiques à réaliser sur votre jeu, à laquelle tout le monde ne pense pas forcément. Et voilà, bien sûr avec des breaking news qui seront de côté, et quelques petites vidéos de motivation qui seront très rarement sur ma chaîne. Voilà, merci pour tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir, surtout de me suivre sur ma page personnelle. Merci pour tout, puis je vous dis à la prochaine. Ciao, peace.